Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler de l'Analog Pocket car vient de débarquer en OpenFPGA un core que j'attendais vraiment avec impatience. C'est le Sega System 16 et ça me fait hyper plaisir de le voir débarquer parce que bien sûr Sega System 16 Shinobi. Bon il y a plein d'autres jeux mais Shinobi, je suis extrêmement fan de Shinobi. J'ai le PCB original et je dois avouer que des fois j'ai la flemme de le sortir, de le brancher dans la borne, tout ça. Donc là, je vais pouvoir y jouer de manière nomade. Et ça, c'est vraiment hyper cool. C'est vraiment voilà, le dernier core vraiment que j'attendais. J'ai pas besoin de plus de choses sur le Analog Pocket. Après, s'il y a des cores en plus, pourquoi pas, c'est du bonus. Genre, pourquoi pas le MSX, ça pourrait être sympa pour lancer un jeu de temps en temps. Mais c'est vraiment la seule chose que je voulais, c'était Shinobi. Pouvoir jouer avec Shinobi comme ça, de manière nomade. Je trouve ça hyper cool. Je me rends compte aussi que j'ai plus besoin du Mister. Le Mister FPGA, j'en ai vraiment plus besoin. Parce que tous les cores que j'utilisais le plus, j'ai racheté toutes les machines. J'ai directement les machines, donc la Neo Geo, la Puce Engine, le MSX, Amiga, bon j'ai déjà des Amiga et tout ça. Bref, j'ai racheté les machines, donc j'ai vraiment plus besoin d'y jouer en manière FPGA, donc moins bon que la machine originale au niveau de la compatibilité, parce qu'il y a toujours des petites imperfections. Et donc, j'aimais bien garder le Mister pour pouvoir justement faire un Shinobi sans m'embêter à brancher, débrancher le PCB. Et ben voilà, maintenant il est sur la Nook Pocket, j'ai plus besoin du Mister. Ça fait bizarre, au bout de quelques années. Mais voilà, c'est comme ça. Allez, on va aller dessus. Alors, ceux qui ne connaissent pas le système 16 de Sega, il y a eu beaucoup de très bons jeux dessus. Wonder Boy 3, par exemple, j'étais dessus. Je vous montre juste vite fait. J'ai beaucoup joué en arcade, j'ai adoré. Donc faut ramasser les fruits, vous voyez, il y a une barre en haut là, la barre verte là, qui descend. Donc c'est un peu comme une barre de temps, elle descend et faut ramasser les fruits. Si elle arrive tout en bas, on meurt. J'aime pas ce tir. Ah ouais, je le prends quand même pour montrer les tirs différents. Donc il y a deux parties, il y a une partie vraiment distincte, une partie plateforme comme ça. Et ensuite une partie shoot. Est-ce qu'on va aller vite fait jusqu'à la partie shoot? Non, c'était juste sûr de vous montrer rapidement. Hop, allez, je quitte. Il y a quoi que j'adore en... Ah, il y a Golden Axe. Je sais que beaucoup adorent. Personnellement, je l'aime pas. Mais voilà, c'est un grand classique. Hop. What j'adore ce jeu, mais j'adore ce jeu donc avec le flic qui récupère des pouvoirs et se transforme en robot, je le trouve vraiment génial, mais vraiment génial. Cotton, un très bon shoot, j'adore. Altered Beast, personnellement, j'aime pas trop, mais voilà, une partie de temps en temps. Alien Syndrome, pareil, mais moi ce qui m'intéressait, bien sûr, c'est Shinobi. Shinobi, allez, je vous lance une petite partie. Et donc voilà Shinobi, et je trouve ça énorme, franchement énorme. Alors là sur l'écran, c'est sympa, mais j'ai joué tout à l'heure en mode. Et mouton, hop, en mode portable. Et ça rend. Ah bien, je suis un petit peu perdu dans les boutons, ça va. Hop. Ça rend mais super bien, quoi. Super bien, c'est impressionnant, quoi. Ça me fait trop kiffer, quoi. Avoir un Shinobi portable. Pour moi, Shinobi, c'est le meilleur jeu d'arcade qui existe. C'est le jeu d'arcade que je surkiffe. J'y joue. Ouais, je pense que j'ai jamais arrêté de jouer à Shinobi depuis sa sortie. J'y joue très régulièrement. Très régulièrement. Alors, pas tous les jours, pas toutes les semaines, mais très régulièrement. Voilà. Je dois au moins faire une partie par mois, je pense. J'ai pas appuyé parce que j'ai tapé perdu dans les boutons. Ils sont un petit peu inversés les boutons. Alors ça faudrait régler sur la manette. Hop. Le saut et le tir sont inversés. Bon, bah, je vais pas aller jusqu'au bout de ma partie parce que sinon on n'a pas fini. Mais je suis vraiment hyper content, quoi.
C'est marrant, j'ai un petit décalage avec le tir. Alors je l'ai pas. J'ai joué en mode portable et j'ai vraiment pas de soucis. Bon allez, hop. Tu es mort, mon petit gars. C'est tout pour cette vidéo. Allez, bye bye tout le monde.